Les nouveaux-nés en souffrance à la naissance dans la ville de Grand Popo seront désormais sauvés. Pour preuve, le centre de santé de cette ville vient de recevoir ce mercredi 4 juillet 2018 une table de réanimation pour nouveaux-nés d'une valeur de 3 550 000 francs CFA de la part de la Fondation Etisalat Pénin en partenariat avec l'association Novicha. L'événement qui nous lie ce jour est le don d'une table de réanimation de nouveaux-nés au centre de santé de Grand Popo. Cet appareil, d'une importance capitale, permet de sauver des vies, des âmes innocentes et de réduire le taux de mortalité infantile, dont l'une des raisons est son absence dans les centres de santé. Grâce à cette table de réanimation de nouveau-nés, les bébés en souffrance à la naissance seront sauvés du pire pour notre bonheur. Car, justement, sauver des vies est le thème de la campagne sociale 2018 de la Fondation Etisalat Bénin. L'équipe communale de la ville de Grand Popo, le coordonnateur de la zone sanitaire Komé, Bopa, Kouyobé et Grand Popo, le bureau de l'association Novicha, le médecin-chef du centre de santé de Grand Popo, ont tour à tour témoigné leur profonde gratitude à l'endroit de la Fondation Etisalat Bénin pour cet acte salutaire. Le gros merci, c'est pour ce jour, parce que ce jour est un grand jour, ce jour est un beau jour. Je vous remercie pour la présente cérémonie. Je remercie Etisalat Mou et c'est avec bonheur que tout à l'heure, ensemble, Etisalat Mou, en partenariat avec Novicha, nous allons remettre cet outil précieux entre les mains du médecin-chef et du coordonnateur pour son bon usage. À travers ce geste, la Fondation Etisalat Bénin entend réduire le taux de mortalité infantile enregistré fréquemment dans les hôpitaux et centres de santé. Pour Madame Dolores Chabikao, secrétaire exécutive de la Fondation Etisalat Bénin, l'éducation n'est pas la seule priorité de Move Bénin. La santé aussi occupe également une place de choix dans ses actions sociales. Déjà, nous avons choisi comme thème de campagne 2018 Ensemble sauvons des vies, parce que nous avons remarqué que les demandes en matière sanitaire devenaient grandissantes. Donc nous recevons des demandes de la communauté et nous nous sommes rendus compte que les besoins sanitaires étaient de plus en plus grandissants. À ça s'ajoute aussi notre vision qui est celle-ci, l'éducation et la santé sont deux secteurs primordiaux où nous devons agir au Bénin. Donc ça veut dire que c'est d'une importance capitale. Nous sommes contents parce que ça sauvera des vies. À travers ce don, la Fondation Etisalat Bénin, dont le thème de la campagne sociale 2018 est « Ensemble sauvons des vies », réaffirme son attachement aux valeurs sociales de la marque et son combat à l'éradication de la mortalité infantile dans les centres de santé. Move nos limites.